Bonjour, c'est Luliane pour un nouveau test et aujourd'hui on va tester comment ça s'appelle, une guirlande extérieure de la marque Oxidead. Donc ce test va se faire en deux parties. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce qu'il faut mettre les ampoules sur la guirlande et comme il y en a pas mal, donc ça va prendre un petit bout de temps. Donc c'est une guirlande extérieure, il me semble, si je dis pas de bêtises, parce qu'il n'y a rien de marqué. Mais généralement c'est quand pour mettre ça dans le jardin. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais dans un premier temps vous montrer ce que c'est, comment ça arrive, du moins quand vous l'achetez. Donc c'est une prise normale. Et comment ça se présente. Donc c'est un peu genre Pulse. Hein. Donc les ampoules sont dans de petits cartons comme ça. Hop. Voilà. Ampoule, ça va vous faire une petite lumière jaune, vous savez, dans les jardins, comme on voit ça, que ça fait très chic. Donc voilà, donc je vais monter tout ça et puis je vais essayer de le poser dans mon jardin. Hein. Puis quand ce sera fait, vous aurez la deuxième partie de la vidéo. Voilà, c'était Lula et à tout de suite, sans essayer de casser des ampoules, hein, tant qu'à faire. À bientôt. Rebonjour, c'est Luliane pour la partie 2 du test Oxidead sur la guirlande extérieure. Donc, comme vous pouvez le constater, je l'ai enfin monté, il faut compter à peu près un quart d'heure, 20 minutes à tout mettre les ampoules ici sur les culots. Donc ce sont des ampoules à visser, hein, tout simplement. Donc là vous voyez, ça vous fait une petite lumière jaune. Donc là je ne le fais pas en pleine nuit parce qu'il fait encore un petit peu frais. Sinon elle fait 25 mètres de long, comme vous pouvez voir. Donc moi je l'ai mis sur ma pergola. Alors ce qui est donc c'est simple à installer, hein, vous mettez tout simplement les ampoules, vous voyez, sur les culots. Après, vous la disposez comme vous voulez. Moi, je l'ai mis comme ça autour de ma pergola. Mais le petit plus, c'est que si vous n'avez pas assez de longueur et que vous voulez faire le tour ici, vous voyez, moi, j'ai pas eu assez avec les 25 mètres. Alors, cette prise-là, que vous voyez ici, va vous permettre de raccorder une autre guirlande, du même modèle, hein, bien sûr, Oxidead. Donc globalement c'est assez joli quand vous faites, voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc quand vous faites des soirées à l'extérieur en plein été ou juste décoratif comme ça, c'est super joli, c'est super classe, je trouve. Bon là ma pergola n'est pas encore montée parce que c'est pas encore le moment, mais cela dit, en plein été avec des jolies petites lumières comme ça tout autour, c'est très très chic. Alors il faut prévoir une rallonge si vous n'avez pas la prise électrique extérieure, parce qu'elle est faite pour l'extérieur. Bon, vous pouvez l'utiliser bien évidemment à l'intérieur, mais à la base c'est pour que ce soit joli. Donc voilà, alors moi je vous la conseille, c'est très joli, c'est très facile à monter, elle n'est pas très chère. Donc même si vous devez rallonger une autre guirlande parce que 25 mètres c'est pas assez, donc ça va pas vous coûter bien cher pour des soirées assez sympas à l'extérieur. Donc voilà, c'était le test de la guirlande extérieure Oxidead, qui est une très bonne marque puisque j'ai eu l'occasion de tester d'autres choses chez eux. Donc voilà, c'était Luliane encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Bye bye.